Yo tout le monde, c'est Diab. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Cliff Empire, notre recolonisation de la Terre. Regardez, le scanner est bientôt effectué à 100% 99. Et 100% le scanner a trouvé un territoire sur Terre entre les montagnes et une cratère. Une bombe atomique. La configuration des montagnes autour protège la zone du nuage radioactif létal, la rendant habitable. Crée une nouvelle ville pour installer 1500 personnes. Voyons voir la fameuse citadelle de glace. Ok. Ouais, ça a l'air stylé, hein, ça a l'air sympa. Donc là, dans une sorte de creux, ça me rappelle le jeu Frostpunk, je crois. Frostpunk, ouais. Donc là, on peut imaginer là qu'il y avait un ruisseau ou un truc comme ça. Quand on fait le tour, hein. Des montagnes hautes, ouais, des montagnes très hautes. Oh, sacré pic ici, hein. Oh, on a une belle vue, voilà. Ok, pourquoi pas. Avec... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Avec au milieu de l'eau. De l'eau pas gelée. Tout est gelé autour, mais l'eau là n'est pas gelée, c'est quand même magnifique. Voyons. Comment on fait, genre, si on veut construire... Ah oui, y a de la place là. Ah ouais, là il y a de la place les gars, là c'est bien. Ah j'aime quand ça se passe comme ça. Et putain, 1500. Mais je vais les sortir d'où? Je vais les sortir de la station orbitale. Mais s'ils sortent de la station orbitale, j'ai pu avoir assez de travailleurs. La station orbitale. Il va falloir qu'il en reste les gars. Alors. Ah ouais, ça c'est pas mal, les stats eau souterraine, ensoleillement, éolien, poisson. Ah, j'aime beaucoup. Et là, regarde, oh là là. Là, je peux même. Vache, ouais. Agrandissement de falaise, expansion orbitale. Earth of Hope. On va construire des réacteurs sur toutes les falaises. Des réacteurs quoi. Là va y avoir des sacrées recherches à faire. Bon, on va les faire petit à petit. Alors sur toutes les villes sauf la dernière. Voilà, on investit 10. Hop, de toute façon on a du fric. Là on est millionnaire. Bon, peut-être pas pour longtemps du coup. On est déjà plus millionnaire, mais on était millionnaire ici. Et cette arrestation vitale, hop. Et voyons voir la vitesse de recherche. C'est quand même assez rapide, ouais. Là, quand on voit la vitesse de recherche, elle est bien. Bon, bah, je suis censé installer des gens. Ah, putain, oui, en plus, ça me fournit l'électricité, là. La station orbitale. Ah, trop bien. Une petite plage et tout. Et une petite plage de cailloux. Ouais, de cailloux, de boue. Ah, c'est mieux que rien, quoi. Ouais, par contre, là. Écologie. Peut-être pris un peu cher, quoi. Voyons. Par quoi? Putain, par quoi je commence? En vrai. C'est une vraie question, par quoi je commence? Un champ. Je dirais, je vais faire des champs. Attends, non, il y a un autre truc avant. Il y a ça? Ah oui, il faut bien que je fasse une plateforme d'atterrissage quelque part, non? Attends, mais on peut faire jusqu'à... Waouh, il y a des différentes hauteurs possibles. Là, je peux pas parce qu'il y a des forêts. Ok, très bien. Il y a le respect des forêts ici, c'est bien.
C'est pas partout, hein, c'est même loin d'être partout. En vrai, la plateforme d'atterrissage, faut un endroit où. Je peux la poser là? Non, on est d'accord. Je vais la poser là. Non, c'est un entrepôt qu'il me faut. C'est ça, le premier truc, c'est l'entrepôt. Ça me revient. Entrepôt qu'on met bien évidemment en plein milieu là. Large construction completed. Et merci. Par contre, j'ai une question. Il vient d'où, lui? C'est un vaisseau qui vient de là. Ah, et c'est marrant, il est là. Et à la fois, putain, il est en double. Waouh. Ok. Alors, est-ce que je peux envoyer des drones à la. Ah, mais ça va me coûter. Même pas en plus. Ah, j'ai aucune communication avec la citadelle de glace. Large construction completed. Bon, au moins avec ça, on a la plateforme d'atterrissage. Important à faire, il me faut de l'eau, de la bouffe. On va commencer par ça parce que de l'eau au début c'est cher. De l'eau. Et les champs en plein air ils sont clairement suffisants. Surtout quand on a une bonne écologie, ça rajoute de l'écologie. Code d'écologie. Oh la vache. Pas faire soirée là parce que. Ok, on va avoir de l'eau et de la bouffe. Il me faut des un complexe résidentiel. Oh, les complexes résidentiels, ça par contre. Ça coûte cher les complexes résidentiels. 40. Faut faire un seul. Voilà, on va les faire là-bas. En vrai, les complexes résidentiels, plus ils sont loin, mieux c'est. Parce que j'en ai pas grand-chose à faire. Hop. Ils ont quelques kilomètres pour aller travailler, c'est pas bien grave. Déjà comme ça on aura des habitants. Et bah, ce qu'il va me falloir ensuite c'est de l'extraction de matériaux. C'est où? C'est comment la mégaforeuse? C'est cher mais elle apporte tellement de choses en vrai. Alors il faut voir si j'ai les batteries et les moteurs surtout, c'est ça la question. Putain j'ai que 10 moteurs. Faire un portail de commerce. Dès que ce sera fini l'autre. Portail de commerce, extracteur de ressources. Bah, par contre là on commence avec zéro d'écologie quoi. Après tu me dirais il y a de la place pour faire ce qu'il faut. Saison des pluies, yes.
Et ici, c'est impacté ou pas par la saison des pluies? Oui, j'ai l'impression. Allez. Une citadelle de glace. On va. Oh, il nous faut la méga foreuse. Il nous manque 10 moteurs et 2 matériaux. Donc achat ponctuel 2 et 10. Ça, je l'agrandirai un peu plus tard. Quoique, agrandir pour 700. Non, plus tard. C'est bien déjà, ça va produire un minimum. Bon, pour l'instant, je fous tout à côté histoire que ça accélère. Que ce soit rapide au niveau des échanges, etc. Ça d'ailleurs, c'est une idée. Ok. Emploi 38 emplois. Par contre, j'ai pas d'arrivée de citoyens. Hein. Personne désirant s'installer, zéro. Je peux pas créer. Ah putain, j'ai pas de mobilier, j'ai pas de trucs comme ça de base. Ça, c'est méchant. On va voir. Si j'achète les gadgets, mobilier, etc., est-ce qu'ils vont venir? Je vais en avoir besoin là. J'ai de l'emploi maintenant, j'ai de l'emploi les mecs. Viendez ma bande. C'est quand même bien d'avoir de l'énergie gratuite sur le début, hein, par contre. Ça aide, mais alors vraiment beaucoup. Alors. Excusez-moi, je regarde quelque chose. Ok, on va ramener ce qu'il faut. Mais maintenant, vous voulez toujours pas venir? Je vais voir si je peux décryogéniser, est-ce que ça va aider? Que dalle hein. Ouais, enfin c'est genre c'est l'écologie qui vous pose problème les mecs c'est pour là vous voulez un grand parc un petit parc un moyen parc. Je fais des parcs moi il n'y a pas de problème hein. Terrible ça. Est-ce que ça ira mieux? Parce que là il y a moins 12, est-ce que s'il leur fait un parc c'est mieux? Alors, il leur faut combien là? 6. Achats ponctuels, 6.
Putain, si c'est que ça. C'est compliqué là. On va trouver un petit coin de paradis. Pardon, oh putain, dans lequel personne ne veut aller. Il est récupéré du matériau. Alors, à moins que j'ai oublié quelque chose de flagrant. Mais... Oh la vache, ça a rien changé. Non, vraiment, attends, mais. Pourquoi ils sont si peu à vouloir s'installer? C'est parce qu'il y a trop de bonheur dans les autres villes? C'est dingue. Non, vraiment, c'est énorme. Je comprends pas, là j'avoue que... J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Il en faut combien des parcs? Un parc, ça consomme d'électricité en plus. Ah oui, ça consomme. Peut-être que si je fais pas ça en positif, ça ira mieux. Je vous avoue que je ne sais pas trop. Pareil, on va acheter 6 matériaux, hein. Il n'y a pas le choix. Hein. Tant qu'on les produit pas. Trading platform arrived. Bon, là, si on passe en au-dessus des 0%. C'est moins mal. Ils veulent toujours pas s'installer. Putain, mais... Est-ce que ça sert à rien que je fasse de l'éducation? Je peux, hein, je peux aussi, hein, mais... je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Hein. Là, si je fais une école... Une école, hein. Donc l'école, c'est... L'école, c'est là-bas, hein. Faut pas déconner... Donc c'est vers la zone résidentielle. Et c'est combien? C'est 20. Oh la vache. Achat ponctuel 20. J'essaie, hein, j'essaie. Hein. Je sais pas trop. Et puis en plus là bientôt je vais débloquer les agrandissements de falaise là. Donc tu me diras, ça peut être me consommer du matériau parce que là j'en produis à gogo, je sais pas quoi en foutre. Hein. Alors pas ici. Ici non. Étrangement, enfin, c'est dingue. Mais oui, ailleurs, je sais pas quoi foutre des matériaux quoi. Ok. Construire un espace supplémentaire à la construction sur la station orbitale. Allez hop, ça c'est en cours. Bon. En attendant. Voyons voir. Attends, c'est massif ce truc. Attends, c'est massif pour pas grand chose, j'ai l'impression. Hein. Ah la vache. Attendez. Bon, je vais le mettre à un endroit où c'est tranquille. Mais bon, un endroit où c'est tranquille, là... Est-ce qu'il faut... Non, je crois qu'il y a haut du ciel où il y a encore un peu de place, peut-être. On va dire là, ouais. Agrandissement de falaise. Alors.
Ah! Ah, c'est maintenant des châssis, etc. Ok. Citadelle de glace. Moins 6. Oui, mais là, il y a la construction de l'école en cours. J'ai pu récupérer. Ah non, j'ai pas pu tout récupérer par le portail en plus. Au moins, je gagne de l'argent parce que là, j'en dépense pas. J'ai pas de main d'œuvre, j'ai rien, donc là je gagne un petit peu d'argent grâce à la banque unifiée. 90, ouais. Ouais. On n'est pas riche, hein. Là j'ai pas de vin. Ah oui, j'ai pas de vin, tiens. Bonne idée. Je vais acheter 10, acheter 6 moins de 10 pour chaque. Ça, hein. Je leur ai fait une école, ils en ont rien à foutre. Hein. Bon, bah, on va rajouter des parcs. On va acheter un ponctuel. 12, 18. Je vais leur faire des grands parcs là. J'ai l'impression qu'il y a que ça. Hein. C'est terrible. Il faut des matériaux au moins, les mecs. Hein. Il vous faut des matériaux pour construire votre ville. Alors, je comprends que ça soit pas ouf pour le début, quoi, mais. Enfin, je veux dire, il n'y a que le début quoi qui sera comme ça, après ce sera bon. Hein. Allez, voyons voir, est-ce que je peux remplacer? Non. Non plus. Oui. Non. Des petits parcs, et puis c'est tellement petit qu'en plus on voit même pas trop où on peut le placer, ça c'est dommage. Ah si, ok, il y a les grilles qui s'affichent à peu près. Je vais le faire là et là je ferai une allée piétonne. Ouais, c'est par contre c'est ça qui est bien, c'est qu'on pourra faire pas mal d'allées piétonnes. Là tout là apparemment il n'y a pas possibilité. Là on peut. Là on peut et là peut-être. Oh mais tout là on peut aussi. Magnifique. Alors là c'est gourmand. Je sais pas comment j'arrive à le mettre mais c'est ça passe. Hein. Je saurais même pas dire comment que ça passe. Hein, et là, on est à moitié sur le... On est à moitié dans la glace, dans la neige. Bon, en vrai, ça devrait suffire. Je sais pas du tout combien de construction ça me demande. Combien de matériaux, je veux dire, ça va me demander. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter 6 moins de 10. Alors, 18. Bon, là, et si avec tous les parcs que je vous ai fait, là, vous avez une zone. Là, vous avez une forêt, une vraie. Vous avez une vraie, de vraie, de vraie forêt, les gars. Allez, ici. Ah oui, mais ça me demande autre chose, ça me demande de quoi aussi? Ah, de l'eau, ouais. On va commencer par apporter de l'eau déjà, ce sera bien. C'est l'hiver, ils se pèlent les miches en plus, les pauvres là, ils donnent 30% de plus d'énergie. Allez, vous êtes loin pour la plateforme de trade, les mecs. Achetez-moi plein de... Voilà, de matériaux. Construisez-moi tout ça. Impeccable, c'est très bien ça. Ouais, bon d'accord, c'était vraiment genre l'écologie, quoi. Il leur fallait des parcs à gogo, quoi. C'est dingue. Ah, zéro. Alors peut-être que à 1, ils viendront s'installer. Alors là, on va la payer, mais autre part, par contre, faut pas déconner. Voilà. Non, c'est là. Bon alors. Comment ça, personne désirant s'installer, zéro? Avec du bonheur, les mecs. Regardez toute la zone, tous les parcs que je vous ai fait là. Franchement.
pourrait même appeler ça le parc d'attractions, quoi, tellement c'est... Tellement il y a de trucs. Steve, oui. Vous disposez de place pour les accueillir. Bah, j'ai des maisons pour les accueillir. J'ai même plus d'emplois, tellement j'ai de parcs. Les employés, la moitié des emplois sont créés pour les parcs dans cet endroit là. Putain, je la voyais pas. J'avoue que là. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Ah! Personne ne désire s'installer 3. Waouh! Ça y est, enfin 4, 5. Il leur fallait encore plus de parcs, quoi. La vache. J'y croyais plus, hein. Oh. Bon, après, ça ira mieux avec l'accès à l'éducation. Oh, ils sont arrivés, regardez, ils sont arrivés. Bon, ok, ils ont nulle part où aller, mais c'est pas très grave. Hein. On va vraiment être bloqué là. Non, ok, bon, au bout d'un moment, ils sortent, quand même. Yeah! Yeah! Allez, encore des parcs. Wouhou! Bon, ça va pour les parcs par contre là. Hein, là c'est, là, vous savez quoi? On va même leur faire un transport. Alors, je sais plus où c'est. Par contre. Regardez, une rue piétonne là, les mecs. Une rue piétonne un peu plus petite parce qu'il n'y a pas la place. Franchement. Putain, je leur fais des rues et tout là. Une gentillesse. C'est fou. Franchement, avec de l'emploi. Il y a tout pour vous les gars. Bon après je dis il y a tout pour vous mais... acheter 6 moins 200. Non bah non, c'est bon maintenant en fait. Parce que j'en produis avec la méga foreuse. Pendant que là ça tourne tranquillou derrière. Énergie requise, puissance de charge, ok. On va faire une deuxième résidence, complexe de résidentiel, je veux dire. Ouais, mais c'est vrai que ça ne donne qu'un pourcentage. Ça donne pas d'éducation, ça donne qu'un pourcentage bonus d'éducation. Une université quand même, faut pas déconner. Je ferai des trucs à module plus tard. Hein. Alors je regarde si je peux pas la mettre là, non. Ok, recherche terminée. Et quoi? Ah, expansion, oui. Les réacteurs pour les falaises. D'ailleurs, où est-ce que ça en est, ça? Ça va doucement le matin, pas trop vite le soir. Station orbitale. Ouais, vraiment des petites extensions, quoi. C'est des petits trucs là, en mode... Bon, ça tombe bien. Il me faut des réacteurs solaires. Je produis pas assez d'électricité. Donc hop, on va en faire deux. Ça va se construire facilement en plus.
2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc ça va me rajouter 12 emplacements, c'est bien, hein? 2, 4, 6, c'est comme deux branches en gros supplémentaires. Flotte ennemie en approche, ah bah super. Ça m'avait manqué ça. Par contre, vous mettez la priorité les mecs, hein. Allez-y quoi, faites pas semblant quand vous voulez construire des trucs. Quand vous voulez construire des trucs, faites pas semblant, faites-le d'un coup, et on n'en parle plus. Voilà. Puissance de charge, une toute petite puissance de charge. Hop, on en met un deuxième là. Juste au cas où. Impeccable. Ils ont la belle vie quand même là sur la station orbitale. Hein. Ouais, on va voir. Ouais. Les universités qui se construisent, très très bien, tout ça va créer de l'emploi et tout en plus. Bon, ils sont moyen contents, mais bon, c'est normal quoi, c'est le début. Alors, pour prioriser ça. D'avoir un peu plus d'emplois avant la création du complexe. Trading platform arrived. New task received. Bon, c'est haut du ciel. Côte nord qui vont prendre. Donc hop, on active les défenses. On m'en accélère, hein. De toute façon, c'est des trucs cassés, il y aura des trucs cassés. Ça détruit des choses là. Ah oui d'accord, ouais non mais. Là, ils attaquent côte du nord par côte paisible quoi, super. Parce qu'ici c'est à peu près bon les défenses. À peu près je dis. Bon, c'est la mouise. Pardon? Mais non, ils attaquent la citadelle. Oh non, ça c'est moche. Je suis même pas installé, quoi que. Ils font feu d'artifice. Nice. Faites-vous repérer, les mecs, hein. Madalé. Bon, il faut que je trouve des trucs qui ont été cassés. Vraiment, il n'y a rien qui a été pété ici. Non, mais tu vas me dire, il n'y a vraiment rien qui a été cassé? Ah, mais non, mais c'est à côte paisible qui a pris cher, alors que dommage collatéral, alors qu'ils étaient même pas censés se faire attaquer. Il faut reconstruire. Côte nord. Il doit y avoir 2-3 trucs qui sont cassés. Oui. Bon, ça va reconstruire, hein, ça va faire son truc tranquillement. Voilà, il n'y a pas à s'en faire. Université, ok. Bon, déjà, ça me fait un peu d'argent aussi ici. Il va falloir de la médecine. Faisons de la médecine. Un bon hôpital. Au moins on est sûr avec ça, ça tiendra longtemps. Le temps que je fasse des fondations avec modules, des modules de fondation, ou l'inverse, je sais plus le nom. Là, je pourrais améliorer l'entrepôt. Trading platform arrived.
À tout mettre 20 maintenant. Acheter 6 moins de 100. Oui. Tu me diras avec la conso que ça va me prendre. Là, ils ont à la pluie? Comment ça la pluie? Il n'y a plus de pluie depuis un moment les gars, hein. Attends de se mettre à jour. Hein. 16, c'est ballot, il me manque 2. Il me faudrait des centres de divertissement aussi. Hein. Centre de divertissement. On va le faire par là-bas, les centres de divertissement. Trading platform arrived. Large construction completed. Ok. Ah, j'ai pas de justice. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse une mairie aussi. Ça permettra d'avoir le registre de la ville, etc. Le classique, quoi. C'est de la mettre là. Là, on peut. Ici, allez. Ça fera de l'emploi. D'ailleurs, va vite falloir que je fasse. Un nouveau complexe. Ça va vite. Allez. Moi, je vais vous laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous retrouverai très bientôt pour le prochain. Merci d'avoir suivi. C'était Tiob. Ciao.